Une étudiante norvégienne de Sciences Po Toulouse, Marie Cither Odsbo, 20 ans, est portée disparue en Afrique du Sud, où elle était en vacances avec des amis depuis le mercredi 18 avril. Elle a été aperçue pour la dernière fois sur une plage de la cité balnéaire de Sedgefield, près du Cap. Ne la voyant pas revenir, les amis de la jeune femme ont alerté les secours. Des recherches ont immédiatement été organisées le long de la côte et ont permis de retrouver les effets personnels de Marie, dont son téléphone portable. Olivier Brossard, le directeur de Sciences Po Toulouse, a confié « Nous sommes très inquiets, nous sommes en contact avec l'ambassade de Norvège en France et personne n'a de nouvelles de Marie, nous n'avons aucun élément nouveau concernant sa disparition. » Concernant une autre disparition, le corps de David Bélé-Brisseau, franco-gabonais âgé de 48 ans, porté disparu depuis le 13 avril dernier, a été retrouvé jeudi à Port-Elisabeth, dans le port de la ville. Il portait un pneu attaché à la cheville par une corde. Les enquêteurs semblent privilégier la thèse du suicide.